Allez, bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Jessica. Je suis coach sportive, j'ai la forme. Ce soir, on est tous ensemble pour une séance de Pilates pour la soirée solidarité, bien évidemment. Donc, on compte sur vous. Soyez tous, mobilisons-nous tous ensemble et on ira assez loin. Du coup, ce soir, bien évidemment, nous allons faire une séance de Pilates. On va commencer tranquillement par un petit échauffement. Ok? Alors. C'est parti, on va attaquer pour une posture de Pilates. On va devoir d'abord prendre une position classique. Donc, du coup, je vais venir positionner mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Okay. Ici, je positionne le bout de mon orteil contre mon talon. Okay. Ici, je regarde dans cette direction et je vais pivoter mes deux pieds. Voilà. Ici, j'aurai la largeur de mon bassin suffisante pour pouvoir travailler et établir des mouvements de bassin. Okay. Du coup, on se met en position. Je me mets les deux pieds. Donc, je touche mon talon et je viens glisser mes deux pieds. Je vais faire des petits mouvements de bassin. Okay. En avant et en arrière. Okay. Là, ici, en avant et en arrière. Tranquillement, tranquillement. Ensuite, je vais venir garder cette position. Je vais regarder loin devant. Okay. Je vais fléchir légèrement mes jambes. Je vais inspirer, étirer mes bras, pousser mes fesses vers l'arrière et souffler tout doucement. Okay. J'inspire, j'étire mes bras vers l'avant et je souffle. J'inspire, je tire comme si j'allais étirer mon dos. Je tire, 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 tire. Et je ramène tout doucement, j'étire, je souffle. Pour souffler, il va falloir faire comme si on allait faire de la buée sur un miroir. Okay ? Du coup, j'entrouvre la bouche légèrement et je souffle tout doucement pour faire échapper mon air. Okay ? J'inspire par la cage thoracique. J'inspire. Je gonfle ma cage thoracique et je souffle, je contrôle mon souffle tout doucement. Okay ? Donc, on recommence du début. Je me mets en position, donc la position de Pilates, largeur de bassin quand nous sommes debout pour avoir le neutre bien positionné. Donc, je mets mon bout de pied contre mon talon. Je fais pivoter mes deux pieds. J'établis un léger mouvement de bassin qui va me permettre... Du coup, de trouver mon centre du corps, okay. Mes petits mouvements de bassin, je me mets sur le côté pour vous montrer éventuellement les différentes positions. Donc, je mets une main derrière au niveau de mon sacrum et une main à l'avant au niveau du ventre. J'étire vers l'arrière et je pousse vers l'avant. Okay. J'inspire vers l'arrière et je souffle vers l'avant. Claque, petit mouvement de bassin. Très bien. On va en faire 4. Du coup, 1. Voilà, 2, 3, on regarde toujours loin devant, j'abaisse mes épaules, et 4. Pour cette position, je vais essayer de faire la même chose en établissant les bras, donc je vais étirer mon corps, pousser vers l'arrière, ok, et souffler vers l'avant. J'inspire, j'étire, je contrôle ma respiration, et remonter en soufflant tout doucement, j'expire, 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 j'expire. Clac, et je ramène. J'inspire, et pousse, j'expire.
Voilà, j'en fais encore deux derniers. J'inspire. Et pousse, j'expire. Voilà. Ensuite, nous allons travailler au niveau des bras. Ok, donc je vais venir positionner mes mains ici contre mes cuisses. D'accord, je vais inspirer, lever les bras. Clac, expirer. Allez sur le côté. J'inspire, je ramène. Je souffle, je ramène devant. Et on repart. J'inspire. Tac. Et j'expire. Voilà. On en refait encore trois. J'inspire. Et j'expire. Encore deux. Toujours en position. J'inspire. Je rentre mon ventre du bas jusqu'en haut. J'inspire. Et j'expire vers l'avant. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Voilà, très bien. Le prochain, je vais venir garder mes bras à 90 degrés, ok? Donc je prends toujours ma position quand je suis debout, ma position du pilate neutre. Je viens tourner mes pieds, je fais mes petits mouvements de bassin pour garder mon neutre. Je rentre mon ventre d'en bas jusqu'en haut, ok? J'abaisse mes épaules, je regarde droit devant. Et je vais venir poser mes bras à 90. Ok, ici, je vais inspirer, expirer, pousser, ramener mes bras au-dessus de ma tête, les mains une contre l'autre. J'inspire, et pousse, j'expire. Ok, allez, on en fait une dizaine, et c'est parti. J'inspire, et j'expire. Très bien. Allez, j'inspire et j'expire. On en fait 10. Du coup, on est à 5. 4. Voilà. J'inspire bien, je souffle. 3. J'essaye de bien contrôler mon neutre, de ne pas mettre les fesses trop en arrière ou trop en avant. J'ai une ligne d'eau, je reste hop, stable. Et je relâche. Voilà. On repart. Sur un autre, le premier qu'on a fait tout à l'heure, du coup, je me mets de latéral pour que vous puissiez voir le mouvement du fessier passé vers l'arrière. Ok, donc j'inspire, j'étire ma colonne comme si un fil m'étirait par les bras et par la tête. Je souffle, je pousse. J'inspire, j'étire. Très bien. Et je souffle. Allez, on en fait toujours 10 et des séries de 10 à chaque fois. Et je souffle. J'inspire, j'étire. Et pousse, je souffle. Allez, j'en suis à 5. Il m'en restera 5 du coup. Et je souffle. Tac, j'inspire. Je rentre mon ventre, je gagne, je souffle, je souffle, je souffle. Allez, plus que 4. 3, 2, voilà, 1, un dernier, et je relâche. On va faire une deuxième série avec les bras à 90, ok? Du coup, je reprends ma position de largeur de bassin. Ok, donc je prends ma largeur de bassin, je fais mes petits mouvements de bassin pour pouvoir trouver mon neutre. Je serre mon ventre d'en bas jusqu'en haut. Ok, je fais une respiration latérale thoracique, donc je gonfle ma cage thoracique et je passe l'air par la bouche. Ok, donc je mets mes bras, c'est parti, j'inspire et je souffle. Clac. Allez, on en fait 10. Je contracte ma sangle abdominale et je souffle. Je gaine d'en bas jusqu'en haut. Voilà. 4. Je fais les mouvements assez lentement pour pouvoir bien contrôler ma respiration et mes abdos et mon corps. J'essaye de sentir le moindre mouvement. Voilà. On fait attention à sa posture. Très important. Je regarde toujours droit devant. Parfait, je souffle bien, il me reste 3,
2, 1, et on relâche. On va continuer au sol cette fois-ci, donc du coup on va passer sur le sol, on va apprendre du coup à maîtriser son centre et son neutre au sol, d'accord? Donc on va s'allonger, on va se mettre sur le dos, jambes à 90 degrés, ici, je positionne mon dos bien correctement sur le sol, je regarde donc au niveau du plafond, ma tête est bloquée d'une façon, donc pas trop en arrière, pas trop en avant, évidemment. Il faut que vous ayez à peu près l'écartement en fait d'une petite pomme ou d'une petite poire, on imagine, on va dire. Voilà, d'une petite pomme ici, d'accord. Ensuite, au niveau du dos, je vais venir positionner mes jambes largeur de bassin, ok, ici, bien à plat au sol, et je vais faire des petites bascules de bassin. Donc, je vais inspirer, écraser mon dos contre le sol, expirer légèrement, rétroverser mon bassin. Ok, donc j'inspire, j'écrase mes vertèbres contre le sol, j'inspire, j'expire, mon dos se relève. Ok, mon coccyx touche le sol, j'inspire vers le haut et j'expire. Ok, et on va faire des petits mouvements de bassin comme ça pour pouvoir bien trouver son centre. Une fois que j'ai trouvé mon centre, ça veut dire qu'il faut que vous soyez assez bien positionné pour pas cambrer votre dos au moment du mouvement. D'accord ? Donc on va faire le 100. Le 100, c'est un mouvement de base en pilates. Ok ? Du coup, le mouvement qui va être ici, ça va être une jambe, la jambe de sol, en fait, qui va rester à terre. Donc la jambe gauche, cette fois-ci on va commencer par la jambe gauche, et ensuite on va avoir celle-ci, la jambe droite qui va se lever. Du coup, je laisse ma jambe gauche au sol, je lève mes deux mains au niveau d'ici, d'accord? J'étire ma jambe vers le haut, et je fais des petits mouvements vers le bas, d'accord? Donc j'inspire vers le haut, et j'expire vers le bas. J'inspire vers le haut, et j'expire vers le bas. Si on veut plus d'options, du coup, on va pouvoir actionner ses bras en faisant des mouvements, des petits mouvements de bâton. Ok ? Du coup, je suis ici, j'inspire et j'expire. Je vide complètement mon air. Ok ? Et je ramène. J'inspire et j'expire. Je vide mon air, j'étire ma jambe, je vide mon air. Ok ? Une troisième possibilité pour celui-là, donc j'inspire ici, je mets ma jambe à 90 ici, celle-ci également, et je vais venir lever légèrement la tête des épaules, je vais inspirer, expirer. Celle-ci est un tout petit peu plus compliquée, mais elle est assez facile quand même dans l'ensemble. Tac, et je ramène. J'inspire. Et j'expire. Donc du coup, vous avez trois possibilités. Maintenant, on va attaquer du coup sur ce mouvement-là. Donc, on va faire une série de 10 déjà, et ensuite on retrouvera les autres positions. Donc j'inspire, on choisit n'importe celle que vous voulez. J'inspire. Tac. Et j'expire. Voilà. Je souffle bien une fois que mon air est complètement vidé, mais mon corps est complètement au sol, je relâche. Hop, j'inspire, voilà, et j'expire. Tac, j'inspire, et j'expire. Tac, on le refait encore 4 fois, j'inspire. J'expire. Voilà. Encore 3 fois. J'inspire bien profondément. Je gonfle ma cage thoracique. Je souffle tout doucement. Je vide mon air. Quand mon air est complètement vidé, hop, je relâche ma jambe. Il me reste 2 fois. J'inspire. Et je souffle tout doucement. Je vide mon air. Je chasse mon air. 2 minutes.
Voilà, dernier. J'inspire et je souffle. Très bien. Du coup, on va faire ça sur la deuxième jambe. Pareil, vous avez les trois options. Cette position-là où je laisse ma jambe au sol. Celle-ci où je mets ma jambe à 90, ok, et je me bats au sol. Et la troisième où je peux éventuellement lever mes épaules. Ok. Du coup, c'est parti. On en fait 10. Je me mets en position. J'essaye de trouver mon neutre. J'écrase bien mon dos au sol. J'inspire ici. Et je souffle. Quand j'ai plus d'air, je ramène. Clac. J'inspire. Et je souffle. On contrôle bien. Clac. Et on remet. Troisième. Et je souffle bien. J'inspire, je souffle. Voilà, il en reste encore 5 et on changera de mouvement. J'inspire, je souffle. Avec ces petits mouvements de battement, tranquillement. Et on repart, j'inspire. Je souffle. Clac. C'est bien. On continue. Hop, on se remet toujours un petit peu en position si on trouve que le neutre se déplace. Ok. On le remet bien. On essaye de le chercher le plus possible. Mes lombaires sont bien positionnés au sol. Je souffle. Ok. Ensuite, on va travailler sur le scissor. Le scissor, c'est un mouvement, donc il y a pareil plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir les jambes à 90 degrés ou sinon les jambes tendues. Okay, donc, bien évidemment, jambes tendues, c'est toujours un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi. Du coup, je vais vous montrer les deux positions et vous choisirez celle qui vous convient le plus. Du coup, les scissors, on va être toujours sur le dos, okay, la tête toujours bien positionnée. Le regard fixe au plafond. Je mets comme si j'avais une petite pomme entre mon menton et mon torse. Ok. Ma tête pas trop en arrière, pas trop en avant. Je positionne mes jambes à 90, chaise renversée. Donc j'inspire vers le haut. J'inspire. J'expire, je lève une jambe. J'inspire. J'expire, je lève l'autre jambe. Donc là, on est en chaise renversée. Ok. Du coup, il va falloir actionner une jambe puis l'autre. D'accord ? Donc si je reste à 90 degrés, je vais faire. J'inspire vers le centre et j'expire vers le bas. Quand j'ai plus d'air, j'inspire, je remonte, j'expire, je change de jambe. Ok ? Donc ça, c'est quand on est à 90. J'inspire, j'expire vers le bas. Je ramène, j'inspire, j'expire vers le bas. Deuxième possibilité, je tends mes jambes, j'étire mes talons vers le haut. Ok ? Du coup, je vais venir. Là où il va falloir faire très attention, c'est que quand j'ai les jambes tendues, je vais aller assez bas. Et le fait d'aller bas, il va falloir contrebalancer avec ses abdos. Ok ? Du coup, je vais inspirer, expirer vers le bas. Je contrebalance. Il ne faut pas aller trop bas, il faut bien doser sa distance, ok ? Et je ramène, j'inspire et j'expire. Quand j'ai plus d'air, je ramène, j'inspire, j'expire, ok ? Donc, c'est à vous. Du coup, vous choisissez l'option que vous voulez. On va le faire 10 fois, ok ? C'est parti. J'inspire, j'expire vers le haut, j'inspire, j'expire. Quand j'ai plus d'air, je ramène, j'étire, je change de jambe. Clac. Voilà. Et je ramène. Jambe tendue. Hop. Je souffle. Voilà. On inspire bien.
On fait attention de ne pas faire décoller son dos. Je reste en neutre. Il me reste 5 positions. Allez, c'est parti. Voilà. Bien évidemment, hein, quand je fais un aller, un retour, ça fait une position. Très bien. Il me reste 3. Voilà. 2. Et je relâche tout doucement. Si vous avez envie de boire un petit coup, quelque chose, vous pouvez. Ok. Ensuite, on va faire le double leg soul. Ok. Donc le double leg, cette fois-ci, ça va être la même chose. Je reste en position toujours sur le dos. Ok. Je fais mes petits mouvements de bassin pour trouver mon neutre. D'accord. J'inspire. Je mets mes jambes à 90, chaise renversée. D'accord? Donc ma chaise renversée, c'est assez simple. J'inspire, j'expire, je lève une jambe, première jambe, ok, à 90 degrés. L'autre reste ici, j'inspire, j'expire, l'autre jambe à 90 degrés. Ok? Et je vais venir tendre cette jambe ici, garder celle-ci à 90, ok? Et je vais venir échanger. Tac. J'inspire et j'expire. Clac. J'inspire. Les deux jambes sont parallèles, ok? Les deux jambes doivent être bien parallèles, sauf que j'en ai une qui se plie à 90, l'autre qui se tend. J'inspire et j'expire. Ok? J'inspire. Paf. Et j'expire. On est bien. J'en fais 10 aussi. Une fois que j'ai fait mes 10, je relâche tranquillement. Voilà. Je contrôle toujours bien ma respiration. Je serre mon ventre d'en bas jusqu'en haut. J'essaye de plaquer et garder mon neutre. Clac. Et je relâche. Voilà. Du coup, on va faire une quatrième position, ça s'appelle le shoulder bridge. Le shoulder bridge, c'est une montée de bassin. Ok? Donc, il y a plusieurs façons de faire une montée de bassin. Je commence, d'accord? Mes fesses sont proches de mes talons. Je positionne toujours mon dos bien correctement au niveau du sol. Mes jambes sont écartées largeur de mon bassin. Mes talons sont plus proches possible de mes fesses. Ok. Je vais faire un petit mouvement de bassin. Hop, rétroversion pour pouvoir me mettre correctement ici. Mes bras sont au sol bien calés, tranquillement. Mes épaules aussi bien au sol. Ma tête est toujours bien alignée comme jusqu'à présent. Ici, et je vais inspirer, lever mon bassin vers le haut. Quand je serai vers le haut, je vais faire comme si j'étais un tremplin. Ok? Je vais serrer mes fesses, mes cuisses et mon ventre. Ok? J'inspire. J'expire, je redescends sans toucher le sol. Tac. Ok? Et j'inspire, je remonte. J'inspire. Et j'expire, je redescends tout doucement. J'inspire, j'enroule, je serre mon ventre, je serre mes fesses et je redescends tout doucement. J'inspire, j'enroule, je lève mes fesses et je redescends tout doucement. Allez, j'en fais 10 aussi. J'en suis à 4. 3. 4. Allez, c'est bien. Quand je suis en haut, j'inspire, je tire vers le haut, je serre mes fesses, mon ventre, mes cuisses. Il ne me reste plus que 4. Voilà. 3. 2. 1. Et je relâche tout doucement.
Cette fois-ci, on va garder le shoulder bridge, sauf qu'on va faire le même mouvement avec une jambe levée. Ok ? Du coup, je remets ma position, mes pieds en largeur de bassin, mon dos bien calé, je fais des petits mouvements en avant, en arrière pour pouvoir faire mes petites bascules de bassin. Mes épaules bien étalées sur le sol, ma tête pas trop en arrière, pas trop en avant, ma petite pomme. Je vais monter mon bassin vers le haut et également ma jambe en alignement parallèle à l'autre. D'accord ? Donc je vais inspirer et redescendre. J'inspire. J'expire, je lève la jambe. J'inspire une fois en haut. J'expire. Quand j'ai plus d'air, je relâche tout doucement et je ramène mon bassin vers le centre. J'inspire, j'enroule, je souffle, je reprends une inspiration, j'étire ma jambe et je souffle tout doucement. Une fois que j'ai fini mon expiration, je relâche. Celui-ci est un tout petit peu plus dur, il permet de travailler encore un peu plus en profondeur. J'enroule, tac, j'étire ma jambe parallèle à l'autre, tac, je relâche, une fois que j'ai plus d'air, je redescends. Allez, il nous reste 6, j'enroule, j'étire, je maintiens, je souffle tout doucement, je ramène et je redescends. Allez. Et je redescends tout doucement. On en fait encore 3 sur cette jambe. Il ne restera plus que l'autre. J'expire bien. Je vide mon air complètement. Et je relâche. Claque. Ça doit un petit peu chauffer au niveau des fessiers. C'est normal. Et voilà. Cette fois-ci, je change de jambe. Je continue. J'inspire, j'enroule. Je souffle. Je vide mon air, mes deux jambes sont parallèles, j'étire mon talon vers le haut et je redescends. Allez, j'enroule, tac, je pousse, je souffle. Et je ramène. Chacun a son rythme, on y va tranquillement. Chacun sa respiration, bien évidemment. J'enroule et j'expire. On essaye d'en faire 10 à chaque fois au maximum. Si j'en fais moins, c'est pas grave. Si j'en fais plus, c'est pas grave non plus. Mais j'essaye de garder mes 10. Je souffle. Quand j'ai plus d'air, hop, je ramène. J'enroule. Et j'étire. Hop. Allez, encore 5. J'enroule, je souffle et je ramène. Les 4 derniers, j'enroule, j'étire, je souffle et je ramène. Tac. J'enroule. Je souffle, je souffle, je souffle, je vide mon air. Et je reviens. Allez, plus que 2. Et on passera, on fera un tout petit étirement final pour étirer un petit peu tout ça. Et un dernier. Hop. Et je souffle. Très bien. Du coup, on va rester du coup au sol. On va venir positionner sa jambe au-dessus, donc sa jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Laisser sa tête au sol, je viens chercher l'arrière de ma cuisse, ok, et je viens, en soufflant bien évidemment, écraser légèrement. Voilà, en soufflant tout doucement. Je vais sentir mon grand fessier étiré et le bas de mon dos. Je souffle bien. Voilà, je souffle bien. Je respire, je me relaxe. Hop. Je repose tout doucement mes jambes au sol.
et je change de côté. J'étire, je souffle. Je me relève tout doucement en me basculant sur le côté. Hop, je reviens, je me laisse monter tout doucement. Je me lève, je me lève, je me lève. Je finis par les épaules, j'étire vers le haut. Je pousse, je garde ma respiration et je relâche tout doucement. Allez, une dernière fois, je m'étire, j'inspire, je bloque et je souffle. Voilà. Allez, du coup, ben, merci beaucoup de m'avoir suivi. Du coup, ben, je laisse la place à mon collègue juste derrière. Je compte sur vous, on compte sur vous, Courir pour Elle compte sur vous pour pouvoir donner un peu d'espoir à toutes ces femmes. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à bientôt.